votre cycle, votre premier cycle de formation tire vers la fin. J'espère que les 3 jours ont été bénéfiques, très bénéfiques d'un point de vue beaucoup plus scientifique pour contribuer dans la prise en charge de nos malades. Le cycle ne va pas s'arrêter ici. Et il y a un deuxième cycle. Le 19. Le 19 jusqu'au 22. Hein, parce que normalement, il nous a été fait. Le 23, c'est les élections, donc il n'y a pas de travail. C'est la formation jusqu'au 22, c'est un cycle de 5 jours. De une journée de formation théorique, 2 jours de pratique. J'espère que les gens qui ont été chargés de capter des patientes ont déjà fait le travail. La 4e journée, il y a eu une évaluation de ce qu'on a fait, la deuxième thématique. Le troisième cycle, il y a fait 2 jours, l'IOC, information, éducation, communication. L'IOC, c'est 2 jours. Et on va enchaîner directement sur le quatrième thème, il est où le conseiller, quatrième thème, qui va s'étaler sur 3 jours. Dirons madame Nassine ou madame Louet. Normalement, le 29. Encore une fois, j'espère que vous avez été bien pris en charge. Les moyens, et on essaie toujours de faire comme ça pour les enfants. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais de la parole, madame Marlous. Bon, je vous remercie. J'espère que ces journées étaient bénéfiques pour tout le monde, même pour l'eau. Et si vous avez toujours besoin de formation, adressez-vous à vos directeurs avec les semaines. Et monsieur Mazak, comme l'école, l'institut, il est ouvert pour tout le monde et pour toute formation. Et je vous remercie. Et je remercie monsieur Mazak une dernière fois. C'est l'institut des paramédicaux. Il le restera toujours. Et comme je l'ai toujours dit, les portes sont grandes ouvertes, non seulement dans l'institut, mais même dans le bureau, ils sont grandes ouvertes. Si on peut aider, on est. Moi, personnellement, dans ce que j'ai à dire, je suis très contente de revoir mes étudiants, mes anciens étudiants. Et on a beaucoup appris avec vous. Bon, bien sûr, ce n'est pas un domaine notre domaine, quoiqu'on est des paramédicaux, quoique moi personnellement, même mes collègues, elles nous l'ont dit, elles ont raté beaucoup de choses parce qu'on était trop prises. Bon, ce que j'ai à vous dire, donc les communications que vous avez reçues le premier jour, le premier appareil, on va les revoir ensemble. La troisième thématique qui est l'IOC, parce qu'on va y revenir, parce qu'il y a plusieurs exemples qu'on va donner, que vous allez enrichir demain. Ensemble, on va essayer de juguler certains, on va essayer de juguler certains problèmes que trouve une sage-femme au niveau du terrain, au niveau surtout de la PMI, et peut-être vous apporter un plus, et qu'on essaiera de communiquer, qu'on essaiera de transmettre, et peut-être vous pouvez même nous donner, la matinée j'ai écouté une de vos collègues, elle a donné des exemples, ça m'a beaucoup plu, par des mass médias, ou là, par exemple, je ne sais pas, utiliser des dépliants, mettre des communications, je crois, l'alimentation, là, et qu'elle a bien sûr projeté par la télévision, et les patientes qui venaient, elles observent.
observé, bien sûr, elles ont suivi avec les images, ce qu'elle a transmis avec la sage-femme. Et que là, ça m'a facilité la tâche parce qu'elle venait directement me poser la question, bon, on a vu quelque chose. Bon, c'était un moyen de communication. D'accord. Bon, ce qui fait, même si vous allez partir aujourd'hui, avec les communications et la formation que vous avez reçue tous les deux jours, on va la revoir ensemble. Et ce qu'on attend de vous, en tant que sage-femme professionnelle, expérimentée, vous allez enrichir la formation, parce que c'est une formation qui sera, Inch'Allah, peut-être Thomas, en tant que sage-femme professionnelle, vous serez des communicantes une autre fois, Inch'Allah. Donc, merci encore. Merci. Les plus disponibles. Vous le prenez, ils jouent au cours de la thématique DU. Oui, c'est ça. Bon. Inch'Allah.